Quatre voitures remplies de policiers ont débarqué devant cette boutique du centre de Papeete qui avait déjà défrayé la chronique le jour de son ouverture. La vente de graines de cannabis est désormais interdite par la loi. Ce produit a disparu des rayons. Restent les pipettes et surtout le site internet du magasin qui incite clairement, selon la police, à la consommation de paca. Un employé présent sur place sera mis en garde à vue, ainsi que le patron du magasin. Nous avons procédé à une perquisition ce matin, avec saisie de matériel informatique, portable et tout, à l'interpellation de personnes qui vont être placées sous le régime de la garde à vue. Et avec quelle charge, a priori ? Pour l'instant, nous sommes uniquement sur le délit d'incitation, de provocation à la consommation des produits stupéfiants, qui est réprimé par le code pénal. Et vous vous basez sur quoi pour faire ça ? Vous avez fait quel type de recherche ? Nous avons effectivement effectué beaucoup de recherches pour recueillir le maximum d'éléments matériels qui nous permet de pouvoir caractériser le délit. Un chien spécialisé a, semble-t-il, découvert une petite quantité de cannabis dans la boutique de sucrerie attenante qui appartient au même propriétaire. Sous les feux de la rampe depuis son ouverture, la boutique était une cible symbolique trop voyante pour que les autorités ne procèdent pas à sa fermeture. Après la perquisition, le magasin a été mis sous scellé.